il y a un sentiment anti-science quand même que moi je sens assez régulièrement, hein, puisque la science a souvent mauvaise réputation, la science est perçue comme un facteur négatif par beaucoup de gens, alors que moi ce que je défends, c'est l'esprit des Lumières, c'est-à-dire la science est un facteur de progrès à condition de bien savoir l'utiliser et l'appliquer de façon pertinente et intelligente pour le bien social, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, mais d'ailleurs, justement, je voulais préciser une chose sur l'actualité de ces portraits, c'est que ça n'est pas que de l'histoire du passé. Il y a des polémiques, des thématiques encore vivaces aujourd'hui, par exemple. Si on parle de Darwin, le darwinisme est remis en question dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays islamiques. Donc, Pasteur aussi, la vaccination est remise en question. Donc, ces découvertes sont admises par la communauté scientifique, mais socialement, ça n'est pas forcément encore ancré. Mais c'est pour ça que votre livre, à mon avis, est précieux. C'est que, outre le fait qu'il combine la vie et l'œuvre de ses savants, c'est important de montrer comment les connaissances sont devenues les connaissances dans l'histoire des idées, comment, et qu'elles se distinguent des croyances. C'est-à-dire qu'elles ont des arguments à faire valoir qui ne sont pas simplement le ressenti ou le fait qu'on a l'impression que ça doit être vrai. Exactement, et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose de très politique. C'est pas simplement... Alors déjà, c'est de la culture générale, dans le sens où, pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut comprendre les grandes idées scientifiques, à mon avis. Sinon, on est complètement dépassé. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les théories du complot se diffusent abondamment, comme on sait, où des remises en question... avec des a priori, soit obscurantistes, soit religieux, soit mystiques, etc., nivellent tout sur le même niveau, c'est-à-dire, pour beaucoup de gens, les connaissances scientifiques ne valent pas plus que les croyances religieuses, etc., etc. On peut multiplier des exemples. Et donc, connaître l'histoire des sciences, savoir d'où viennent ces idées, pourquoi elles ont été développées, comment elles ont été amenées et comment elles résonnent encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Antonio Fischetti, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu nous parler de votre ouvrage La planète des sciences. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique ingénieur du son et ancien élève de vous-même, Antonio Fischetti, Valérie Lavalard, et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le temps des écrivains. En partenariat avec Le Point.